Controverse autour du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Jamais un discours du président Paul Biya n'a été aussi sujet à discussion, tant dans les rues que dans les réseaux sociaux. Hormis les diverses opinions quant à l'aspect réaliste et non réaliste de ce discours dans les réseaux sociaux, dans les rues et les débits de boissons, c'est le désintéressement total pour plusieurs raisons. Ça fait depuis 40 ans qu'il nous raconte les mêmes choses. Donc moi je suis resté indifférent devant le discours. Ça ne me rend ni froid ni chaud. Ça fait depuis 40 ans qu'il nous dit que les choses vont aller, ça machin. Hey, il laisse la place aux autres, ils font un bon aussi, comment ils vont faire? On fait la différence. Il se répond depuis 40 ans, il raconte les mêmes choses. On est dans la merde, il vient, il dit demain ça serait bien. Après il vient, demain ça serait bien. On est toujours là, on souffre. Mais quand on libère qu'une autre personne même nous dise le contraire, il fait, on voit si ça peut être différent. On ne comparait pas. On peut comparer une seule chose, on compare deux choses. On prend deux choses, mais on voit le vrai, on voit le faux. Parce qu'une seule chose te dit toujours que c'est vrai. Non. Que les choses soient claires, une nouvelle personne vient, il nous montre ce qui se fait. Si en 5 ans ou 10 ans, il ne fait rien, on sait aussi que lui est sur nul, on met une autre personne. Ça fait 40 ans qu'il nous dit les mêmes choses. D'autres affirment avoir été très occupés à consommer et à danser pour écouter le discours du chef de l'État, tandis que ceux qui ont même pris la peine d'écouter une partie n'y ont presque rien retenu. Dans les rues, beaucoup ne sont pas du même avis que ceux qui considèrent ce fameux discours comme un montage pur et simple. Je ne crois pas que le discours soit un montage. Oui. C'est vrai, c'est lui qui donne le discours. Mais tout est un mortel. Qui le donne aujourd'hui, il donne demain. Un jour va arriver où il va arriver. C'est sûr. Paul Biya qui parle comme ça. Il a dit qu'on porte toujours les masques jusqu'à la nouvelle ordre. On lave les mains avec le savon. Nous avons, il y avait les rumeurs sur les réseaux sociaux qu'il a été mort. Mais nous avons compris qu'il est vivant. Il est bien, c'est grave de voir qu'il passe à ses enfants et puis, et que, au silence, enfin, il a. Dans les réseaux sociaux, c'est toute une autre histoire. Certains apportent déjà au moins deux éléments prouvant que le discours a été fabriqué de toutes pièces par un logiciel informatique. Qui ont tort, qui ont raison? Nous y reviendrons. Le Covid-19, c'est rien, j'ai maladie, rien. Mais on a nos tradis praticiens là, nos médecins, nos herboristes là, qui peuvent faire mieux. Comme même le cardinal Gleda là, il dit qu'il soigne ça. Il faut qu'on exploite cette piste là pour voir ce que ça peut donner. Il faut pas tout qu'on croit que c'est l'extérieur qui va venir nous sauver la vie. Non, il faut pas négliger, il faut explorer ça pour voir ce que ça peut donner. Si ça peut sauver les Camerounais, c'est bon. En attendant que l'Organisation mondiale de la santé nous raconte ce qu'ils ont à raconter, on nous sauve d'abord avec ça avant qu'on voit. Pas qu'on reste là, on passe le temps à dire que dans sa mère, il faut qu'on exploite les pistes camerounaises qui peuvent nous soigner.